En tout cas, ce problème, il va me rester gravé. Hein. Alors là, ce problème-là, émotionnellement, là, c'était du début à la fin. Hein. Non-stop. Il y avait toujours quelque chose. Il se passait toujours un truc. Déjà, à la base, le décor, il était planté par l'orchestre symphonique. En fait, j'aurais dû chialer en plein milieu de l'émission. Comme ça, j'aurais moins de larmes à verser à la fin, parce que là, avec le départ d'Harlem, après, c'était... C'est tout ce que j'avais retenu quand tu pleurais, t'avais retrouvé ta maman, après Sandy a fait son duo avec son père. Ouais, malheur. Il y en a eu ce soir-là, hier. Après, voilà quoi, j'étais à fond dans la chanson, moi aussi, là, j'ai... j'étais à deux doigts. Quand t'es arrivé à côté de moi après, t'étais fatigué, parce que ça fatigue une chanson comme ça émotionnellement. Quand t'es à fond dedans, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'est tellement bon. Ça fait du bien, hein. Il n'y a rien de meilleur que la scène, hein, je te le dis. Ouais, malheur. Et que là, je me sens bien. Sur scène, il y a de la... C'est pas pareil, c'est pas la magie. Il y a de la magie sur scène. Oui. Avec l'orchestre symphonique, tu vois, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. T'es porté. Tu t'envoles. T'es porté d'une force. Tu t'envoles quelque part et tu sais même pas où. T'as vu un peu... Attends, c'est sur quelle chanson, là? Vraiment. Alors là, j'ai eu les frissons de la tête aux pieds. Moi, sur celle de Florent Pagny, à la fin. Oui, c'est sur celle-là. T'as vu quand ça se déchaîne, ça monte en puissance. C'est une merveille, c'est... Bouche bée. Et sans déconner, c'est incroyable. C'est incroyable de chanter avec ça. C'est de la folie. On est vraiment des privilégiés, voilà. Moi, je te le dis. Hein. À la fin, il y a un clarinettiste qui est venu me voir. Un clarinettiste ou je sais plus, je crois. Il m'a dit c'est très bien, mais vous savez, nous c'est un honneur parce qu'on peut chanter avec un orchestre symphonique. Et tu te rends compte le boulot pour eux quand même? Ouais. Toutes les chansons qu'ils ont eu à faire, ils sont pas gourés une seule fois. Et moi je te dis franchement. Ouais, il n'y a pas à dire. C'est de la bombe. Et Laurent Pausini, qu'est-ce qu'il est gentil, cette fille. Un maman. C'est de la folie, elle aussi. Une vraie maman. Je l'ai vu arriver, elle est venue, elle fait bon, ciao. Ouais. On me baille. Non, franchement. À tous les élèves, je vous annonce que le spa est ouvert. Je peux pas y aller. Pourquoi tu peux pas y aller? Ça, c'est meilleur. Moi, j'y vais pas. Pas à cause des microbes. Faut pas trop que j'y aille là-bas. Moi, j'y vais pas non plus. Tu viens, on va dormir? Si tu veux. Viens. Ça nous fera pas de mal, hein? Faire un dodo.